Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le Taroton. Le Taroton qui va nous permettre à nous, youtubeurs, de vous accompagner tout au long de la journée. Alors, je fais un tout petit récapitulatif avant de commencer ma vidéo. Vous avez dû voir de 8h à 9h le thème Tarot et les chakras sur la chaîne de Christine et Céleste. Je pense que si vous n'avez pas eu la possibilité de le voir, de toute façon, toutes les vidéos seront regardables pendant plusieurs jours. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de nous suivre toute la journée, vous me retrouvez moi donc de 9 à 10 pour le tarot comme outil de développement personnel. Puis ensuite, vous pouvez aller sur la chaîne de Ange de Gaïa de 10 à 11 qui va vous parler du masculin sacré. De 11 à 12, ce sera Anne-Sophie Pau qui va nous partager de comment développer sa clairvoyance avec les oracles. Kevin Meunier, ensuite de 12 à 13 avec le Tarot 2.0. De 13 à 14 heures sur la chaîne La carte aux étoiles, les cartes, un outil d'une incroyable richesse. De 14h à 15h, journal d'une femme moderne et spirituelle avec le développement personnel. De 15h à 16h, avec Marie-Christine Chambon, passage de cette fin d'année, oser sortir du connu et tenter son aventure de vie. Sur la chaîne de Wassi Magique, la chaîne de Wassima, qui est à l'origine du Taroton avec Candide, au pays de Candice. Mais de 16h à 17h, ce sera sur la chaîne donc de Wassima, sur le thème Lire le tarot, péché ou bénédiction. De 17h à 18h, avec au pays de Candice, sur la chaîne de Candice, le tarot de Marseille. De 18h à 19h, sur la chaîne de Sébastien Michel, tirage coaching, pyramide du conseil. Et enfin, de 19h à 20h, un petit live groupé pour parler du bilan de ce taroton sur la chaîne de Wassima, donc Wassi Magique. Voilà pour vous récapituler un petit peu toutes les chaînes qui vont participer au taroton. Je vous invite à voir en dessous de cette vidéo. Je vous remets le lien de toutes les vidéos avec tous les horaires. Vous les retrouvez normalement sur toutes les vidéos du taroton. Alors, c'était absolument pas prévu, mais cette vidéo va être enregistrée. Pour ceux qui me suivent du coup sur ma chaîne, vous savez pourquoi. Mais avec toutes les grèves, les préavis de grève, etc., finalement, les choses ont dû se goupiller un petit peu différemment pour moi de ce qui était prévu. Et comme je ne vais pas pouvoir participer en direct à ce live, je suis vraiment désolée pour ça. Je vous enregistre donc ma vidéo pour vous parler du tarot comme outil de développement personnel. Alors, on va s'y mettre, on va parler tarot de Marseille, tarot Rider-Waite, on va parler un petit peu art-thérapie. Alors, posez-vous, prenez un stylo et un papier parce qu'on va faire un petit exercice à la fin. Donc, ce serait sympa si vous avez envie de participer. Vous avez juste besoin d'un stylo et d'un papier. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, j'avais très envie de vous parler du tarot comme outil de développement personnel parce que le tarot a souvent mauvaise presse. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est assez vieillotte, assez erronée, qui nous parle du tarot uniquement comme outil de voyance. On a vraiment dans l'imaginaire collectif cette idée que le tarot est un outil de voyance, de diseuse de bonne aventure et pour les personnes qui ont comment dire, une approche un petit peu plus chrétienne ou qui ont justement eh bien, été éduquées dans dans la croyance chrétienne, eh bien, on a cette idée que le tarot est un outil néfaste, négatif. Qu'il est un outil un petit peu du diable. D'ailleurs, on retrouve cette carte du diable à l'intérieur du jeu de tarot. Voilà pourquoi on se met souvent de très gros freins. J'ai été la première, hein, bien sûr, à avoir ce genre de frein au niveau du tarot. Et j'ai été pendant très longtemps bloquée sur le tarot jusqu'à ce que je découvre une nouvelle façon de l'aborder qui est excessivement riche et
que je dépoussière un petit peu tous ces clichés que j'avais moi-même intégrés et qui me bloquaient dans mon apprentissage du tarot. Le tarot, il faut le voir vraiment comme un outil. À la base, ce n'est qu'un morceau de carton avec des illustrations dessus, rien de plus. Mais en réalité, lorsqu'on va se plonger dans l'histoire du tarot, dans ce que le tarot nous raconte comme histoire, vous allez voir qu'on peut aller bien au-delà. Avant de vous parler de cette histoire que nous raconte le tarot, juste un petit récapitulatif justement sur ce qu'est le tarot. Le tarot a une structure particulière, il est composé d'arcanes majeures, d'arcanes mineures, et parmi ces arcanes mineures, on retrouve quatre suites et on retrouve également des figures. C'est très important justement de savoir décomposer le tarot parce que chaque partie du tarot va vous apprendre quelque chose en particulier. On va d'abord avoir les arcanes majeures. Les arcanes majeures, je vous montre un tarot de Marseille par exemple. Vous avez toujours la même structure, le fou, le battleur, la papesse ou la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'amoureux, le chariot, la justice qui dans le tarot de Marseille est à la place numéro 8, mais qui dans le Rider-Waite et dans tous les tarots de type Rider-Waite, qui se retrouve à la place 11. Il y a une inversion entre la force et la justice dans les deux différents tarots. Donc dans le Marseille, on le retrouve à la place 8 parce qu'il est lié à la numérologie. Le pape, excusez-moi, il était donc mal rangé, j'ai fait une petite erreur. Le pape est donc à la place numéro 5. Hop, pardon. Donc après cette fameuse justice, nous retrouvons l'ermite en 9, la roue de fortune en 10, la force, le pendu, la carte sans nom ou la carte de la mort, la carte numéro 13 qui donc est nommée dans le Rider-Waite et qui s'appelle la carte de la mort. La tempérance en 14, le diable en 15, la maison Dieu ou la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà, dans les tarots type Rider-Waite, vous avez donc une imagerie qui est un petit peu différente, des noms qui ont été un peu changés, et cette inversion donc entre la force et la justice. Voilà. Alors, ces 22 arcanes majeures, que ce soit dans le Marseille ou le Rider, vont vous parler des grandes étapes de votre vie, du grand cheminement en fait que vous êtes en train de parcourir. On va vraiment travailler sur la globalité. On va parler du voyage du héros. On va parler du voyage du fou. Certains l'appellent d'ailleurs également le voyage du battleur. Ça va être pour les 22 arcanes majeures. Les 56 arcanes mineures, ou plutôt les 4 suites des arcanes mineures, dans le tarot de Marseille, ne sont pas illustrées. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des coupes, des deniers, des épées. Et des bâtons, chacun va travailler sur un domaine particulier. Les coupes vont vous parler par exemple de tout ce qui va être du domaine sentimental. Les épées, ça va être la pensée. Les bâtons, ça va être l'action, les pulsions, les passions. Et enfin, nous avons la série des deniers qui va nous parler du monde matériel, qui va nous parler des finances, etc. Ces quatre suites, en réalité, vont vous parler de votre quotidien, des choses que vous faites dans votre quotidien, des interactions que vous avez avec les gens de façon vraiment pratico-pratique. Et ensuite, à la fin de chaque série, vous allez retrouver des figures. Par exemple, ici, le roi de coupe, vous avez à chaque fois le roi, la reine, le cavalier et le page, ou dans le tarot Rider, le page qui s'est transformé en... Et là, j'ai un trou de mémoire. Le page du Marseille qui s'est transformé en...
Ça va me revenir, c'est pas grave, il porte juste un autre nom, ce petit page, mais c'est pas grave, puisqu'on retrouve cette structure et en fait, ça va vous parler, ces figures, vont vous parler des types de personnalités que vous allez rencontrer. Par exemple, les pages, vous pouvez les voir un petit peu comme des enfants, les cavaliers comme des adolescents ou des personnes qui passent à l'action dans leur domaine respectif. La reine et le roi vont avoir une maturité. La reine de coupe et le roi de coupe, par exemple, vont avoir une maturité de leurs émotions, beaucoup plus de maturité. Sauf que l'un va avoir une approche féminine et l'autre une approche masculine. On retrouve donc à chaque fois ce côté yin et yang aussi qui est intéressant et qui va justement vous parler des différentes personnes. Revenons-en aux arcanes majeurs. Les arcanes majeures, je vais vous conter une petite histoire maintenant, justement, pour vous expliquer, pour vous montrer comment le tarot peut être un outil de développement personnel. En quoi ces 22 arcanes majeures, justement, vous parlent d'un voyage, du voyage que vous êtes en train de faire en étant une personne incarnée. D'abord, nous avons le mât. Le mât, il part dans tous les sens. C'est comme un petit peu une pulsion, une étincelle qui va aller dans tous les sens. Mais il vit en dehors de la société, il est en marge de la société. Le mât, c'est un petit peu la carte bonus qui va se glisser entre chaque carte lors de vos tirages pour aller vous donner un petit coup de pied aux fesses pour vous dire, allez, maintenant on avance, on est un petit peu fou, on prend le risque. Arrête d'écouter ce qui te parle autour de toi, arrête d'écouter les autres, écoute ta petite voix intérieure. Si ta petite voix intérieure te dit d'y aller, allez, vas-y, fonce et ne fais pas attention à ce qui se passe autour. Ça va être un petit peu notre petite carte bonus. Donc ce fou, il va partir à l'aventure. On va incarner ce fou qui part à l'aventure. La première chose que l'on va faire quand on chemine comme ça va être de naître, ça va être bien sûr de s'incarner. On va s'incarner avec le magicien. On va, comme le magicien, découvrir tous les possibles que l'on a. On va voir que l'on est bien au-delà de ce que l'on pourrait penser. On est connecté à notre environnement, on fait partie d'un tout. Mais par contre, on a cette conscience, mais il va falloir apprendre à la maîtriser. Comme un petit enfant va apprendre à marcher, comme un petit enfant va apprendre les règles de la société, il a l'impression de pouvoir tout faire, et il peut sans doute tout faire, mais il va falloir maîtriser un petit peu tout ça. Ça va être le rôle du battleur de maîtriser un petit peu tout ça. Et le battleur, il va ensuite se confronter à la papesse. La papesse qui va représenter un petit peu la grand-mère. Mais au-delà de ça, il va se confronter à son inconscient. La papesse va vous parler de votre inconscient, des choses que vous ne voyez pas. On va découvrir qu'on peut penser, qu'on a une part à l'intérieur de nous, une intuition qu'il faut écouter. On découvre un petit peu notre part mystérieuse avec la papesse. Puis, on va se confronter à l'impératrice. L'impératrice, ça va être la maman, là, celle qui va cajoler, celle qui va nous entourer. Celle qui va nous faire grandir et nous faire épanouir, nous montrer qu'on peut tout faire, surtout si on est accompagné un petit peu comme ça de ce pouvoir maternant. Il y a plein de choses et on ne demande qu'à créer. On a envie de créer avec l'impératrice. Créer, c'est une bonne chose. Mais créer, on peut partir dans tous les sens quand on commence à vouloir créer. Et c'est là qu'intervient l'empereur, la figure paternelle, qui va poser des règles, poser des structures justement, pour arriver à cadrer un petit peu tout ça. Et là, on commence à se dire, là, on s'est confronté à la grand-mère, à la mère, au père, et on arrive pour se confronter au grand-père, celui qui va nous enseigner des choses au-delà. Le grand-père, c'est un petit peu, j'aime bien le voir comme celui qui va vous raconter des histoires le soir. Celui qui va transmettre les histoires qu'il a écoutées lui-même, qu'il a entendues, il va transmettre comme ça les choses. Et on a cette idée-là justement avec le pape de transmission qui est très présente et aussi des valeurs. On va se rendre compte qu'on peut peut-être tout faire, mais en attendant, il y a certaines valeurs, certaines règles à respecter. Les règles, on les a vues avec l'empereur, les valeurs, on va les voir avec le pape. Vient ensuite l'amoureux, on se confronte au choix. On commence à comprendre qu'on a des choix à faire, justement. Est-ce que on a une interaction sociale également qui vient? On n'est plus dans les jupes de papa, maman, grand-mère ou grand-père. Là, on commence à se confronter à la société.
Et on continue cette confrontation aussi avec le chariot, justement. Ce chariot qui va un petit peu parader, qui va vouloir se montrer. Et on voit des masques sur la carte du chariot. Cette carte, elle vous dit d'aller de l'avant, mais elle vous dit aussi qu'il y a une ambiguïté. Il va falloir arriver à trouver la bonne direction, justement, trouver le bon chemin. Et on est toujours face à l'image que l'on va vouloir donner. Et qu'est-ce qu'on est et quelle image on veut donner au monde? Et du coup, on en arrive à la justice qui va trancher, qui va équilibrer. Alors on en était à cette fameuse question. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on montre au monde? Finalement, la justice, elle va nous aider justement à couper tout ce qui est inutile, à couper finalement les choses qui ne nous équilibrent pas. Après avoir coupé tout ça, il va falloir se reposer un petit peu, prendre le temps de l'introspection. On va se retrouver un petit peu entre nous, seuls. On s'est confronté au visage social, aux différents visages sociaux, comme le père, la mère, etc. On s'est confronté à la société avec l'amoureux et avec le chariot. On a dû trancher certaines choses et maintenant il est temps de se retrouver également face à soi-même, d'apprendre de nos leçons. On apprend, on apprend, on apprend et la roue tourne. Inéluctablement, la roue tourne. Voilà, les choses sont en place et on suit un petit peu le courant de la vie. Arrive alors la carte de la force. Avec la force, on va se confronter à soi-même, encore une fois, mais d'une façon beaucoup plus différente que l'ermite. L'ermite, on est dans l'apprentissage de nos leçons. Ici, on est dans l'apprentissage de nos pulsions. Le lion va représenter les pulsions, le lion ou l'ours, suivant les tarots. Et la personne ici, la femme qui est ici, va nous représenter nous et va nous montrer qu'on est capable maintenant de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses pulsions. C'est de ça dont il est question avec la carte de la force. Avec la carte du pendu qui arrive juste après, on comprend qu'il faut faire des sacrifices un petit peu dans notre vie, justement. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, il faut faire certains sacrifices, mais par contre, il est bon justement d'observer les choses de façon un petit peu différente. Alors, on va se prendre par les pieds, c'est un petit peu théâtral, je vous l'accorde, mais en attendant, on va tout de suite obtenir un nouveau point de vue sur tout. Et avec ce nouveau point de vue, on va se rendre compte qu'il va falloir faire place nette. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, il y a des choses qu'il faut laisser de côté pour notre évolution. Ici, on est un petit peu dans la purification de toutes les choses sclérosantes qui nous empêchent d'avancer. La carte de la mort n'est pas du tout une fin. Au contraire, elle est le début de quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut se débarrasser, purifier. On va y passer avec la carte de la mort. Avec la carte de la tempérance qui vient juste après, et justement après avoir fait cette grande action de grand nettoyage, de grand vide, on a besoin un petit peu de se reposer, d'apaiser les choses. On a besoin de se relier à quelque chose de plus grand. On entame un petit peu un voyage plus spirituel, hein, de toute façon, à partir de la carte numéro 10. Là, on entre dans un chemin un petit peu plus spirituel, on a envie de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. On arrive à la carte du diable, la carte du diable qui va nous parler de nos attachements, qui va nous parler justement de tout ce qui nous relie un petit peu et de tout ce qui pourrait nous bloquer, des pulsions également. Mais la carte du diable, je vais la mettre de côté pour vous en reparler tout à l'heure, ça nous parle également de notre incarnation. Ok, là on commence avec la carte de la tempérance, à vouloir se relier à quelque chose de plus grand, mais attention, on est quand même aussi un être incarné, avec des pulsions, avec des besoins, notre corps a certains besoins, et il ne faut pas les négliger, la carte du diable nous le rappelle aussi. Ce n'est pas qu'une carte négative, la carte du diable, c'est une carte excessivement intéressante. Arrive alors la carte de la maison Dieu ou de la tour, et là, on va carrément perdre notre ego, on va se débarrasser de notre ego. Avec la carte numéro 13, la carte sans nom, la carte de la mort, on commençait justement ce grand nettoyage, mais il y avait quelque chose qu'on avait encore gardé, c'était, pardon, notre ego. L'ego qui est représenté par la couronne ici qui saute.
Donc, on en revient à quelque chose de beaucoup plus naturel. Cette carte nous invite, ok, ça va être bouleversant, ça va être pas facile, mais en attendant, on va revenir à quelque chose de plus naturel pour nous et on va faire tomber cet ego qui peut vraiment nous embarrasser de temps en temps et nous empêcher surtout d'évoluer. Avec la carte de l'étoile, on va prendre soin de soi, justement. On va en revenir, on est dépouillé. Vous voyez ce personnage qui est complètement nu. On va se dépouiller de tout un tas de choses superficielles pour revenir aussi à ce qui nous fait du bien à nous. Et on va prendre soin de soi. Avec la carte de la Lune, on va déjouer les illusions. On va regarder toutes les illusions qui sont autour de nous. Et avec notre regard neuf, on va arriver justement, on nous invite en tout cas à voir quelles sont les illusions et comment aller au-delà des illusions. Avec tout ce travail, on a bien réussi, on a bien le droit de s'octroyer justement eh bien un recontact avec l'autre. Ici, justement, on va revenir dans la société et on va tisser des liens avec les autres, tisser des liens beaucoup plus sains, des liens de joie, des liens qui vont être apaisés et tendres avec la carte du soleil, avec la carte du jugement. On va s'élever, on va être appelé, on va sentir un appel qui va se faire, on va écouter son intuition, écouter cet appel qui vient bien au-delà justement de notre sphère terrestre, si on peut dire. Et avec la carte du monde, justement, on en arrive à la complétude de notre chemin. Mais comme tout est toujours un cycle, après la carte du monde, revient donc la carte du mât pour recommencer un nouveau cycle. Comme vous pouvez le voir justement dans le tarot avec ses 22 arcanes majeurs, on est vraiment dans cette idée de faire quelque chose, de faire un cycle, d'exécuter un cycle d'évolution personnelle. Et le tarot, les cartes justement vont à chaque fois pointer du doigt qu'est-ce que nous avons besoin de travailler en ce moment, qu'est-ce que nous avons besoin de mettre de côté, etc. Jung appelait ça des archétypes, hein, des archétypes. Et ça, c'est très très intéressant justement de travailler sur les archétypes. Alors, j'ai envie, juste parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous parler de la carte numéro 5 et de la carte numéro 15. Pour démystifier un petit peu justement ce diable qui est là, qui pourrait faire peur et qui, franchement, bon, j'ai pas trop envie d'être confrontée à lui, hein. Mais il y a deux cycles dans le tarot. Il y a, alors on peut décomposer les 22 arcanes majeures de différentes façons. L'une des façons de décomposer les arcanes majeures, ça va être en deux cycles, justement liés à la numérologie. Et on voit justement dans un cycle comme dans l'autre que l'on a à chaque fois positionné le premier cycle et le deuxième cycle en dessous, la carte 5 qui va faire écho à la carte 15. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et ce qui est très intéressant de voir, parce qu'on a l'impression que le pape, justement, ça va être le côté un petit peu positif et le diable, le côté négatif, pas du tout. N'oubliez pas que dans chaque carte de tarot, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Il y a toujours une leçon à apprendre, positive ou négative, et cela dépendra un petit peu de la question que vous avez posée et de la place de la carte dans votre tirage. Mais pour en revenir à ces deux cartes qui se font écho, quand on reprend au niveau de la numérologie le chiffre 5, on voit que le 5 va représenter un pont. Un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Et c'est exactement ce qu'on nous offre ici. Avec le 5 et le 15, on a deux ponts. Ce pont-là, au début, on était en train de travailler dans la matière avec l'empereur, avec l'impératrice, etc. On travaillait dans la matière, dans l'incarnation. Pardon, avec le pape. Et tout d'un coup, avec le pape, on va s'élever à justement des valeurs, on va se confronter à des valeurs, on va se confronter à quelque chose qui va au-delà de soi, une ligne de conduite que l'on pourrait se mettre, une spiritualité qui s'offre à nous. Et là, on va du monde terrestre, du monde matériel, monter vers le monde spirituel. On a cette évolution qui se fait avec le pape. Mais comme on l'a très bien vu, avec la carte numéro 10, tout est un cycle et ce qui est en haut va finir par redescendre. Et c'est ce que nous offre la carte 15. La carte 15, qui est la carte du diable, va nous parler de notre incarnation.
Elle va nous redire, eh oh, attention là, vous n'êtes pas que des esprits. Vous avez un esprit, très bien, mais vous avez aussi un corps. Et vous avez choisi d'arpenter ce monde avec un corps, donc vous avez choisi cette incarnation. Maintenant, il faut aussi l'assumer, il faut en revenir aussi au corps. Voilà pourquoi la carte du diable nous remet, alors qu'on était là dans le petit monde spirituel, on était très content, mais en attendant, attention, il ne faut pas oublier qu'on est complet. Et ces deux cartes se complètent très bien. On est un esprit et un corps. On a des besoins spirituels comme des besoins corporels également. Et on ne peut pas finalement, avec la carte du monde, on ne peut pas être dans cette complétude si on n'a pas compris ça et si on n'a pas intégré ces deux leçons fondamentales, que l'on n'est pas qu'un esprit. Tout comme on n'est pas qu'un corps. Il faut arriver justement à trouver le juste milieu, il faut se confronter aux deux, il faut se confronter à cette roue qui tourne aussi pour arriver à trouver le juste milieu entre les deux et du coup arriver à une complétude. Voyez comme ces deux cartes se font écho et comme elles sont finalement autant indispensables l'une que l'autre dans leur côté positif comme dans leur côté négatif, finalement. Voilà, donc j'avais très très envie de revenir sur la carte du diable. C'est une carte qui me semble tellement en fait, qui est tellement connotée négative, alors que finalement elle a une leçon très très importante. Il ne faut pas le voir avec un œil judéo-chrétien, il faut vraiment voir cette carte comme un archétype, comme un outil de développement personnel. Dans le tarot de la magie verte, j'ai beaucoup aimé parce que d'ailleurs on nous parle de la nature. Vous voyez cet homme qui est entouré de nature, ce chasseur, finalement. Mais pourquoi on nous parle de la nature? Parce qu'on nous parle de notre parcours terrestre, on nous parle de nous en tant qu'êtres incarnés qui vivons sur Terre, qui vivons dans la nature. On vit sur Terre et on ne peut pas l'oublier. Voilà, donc c'est très important, très intéressant. Dans le Lily White ou Lily Black, peu importe, j'ai fait cette reproduction justement de la carte du diable. Et vous voyez d'ailleurs ici qu'il y a le symbole au niveau de son front, le symbole de la terre, qui montre bien qu'il faut redescendre. La carte du diable vous invite à redescendre en fait dans votre corps, reprendre contact avec vos sensations aussi corporelles, parce que vos sensations finalement sont également un guide pour développer votre intuition, pour parcourir le monde de façon sereine, de façon également connectée, hein. On est connecté, notre esprit et nos émotions jouent l'un avec l'autre, hein. Quand on ne se sent pas bien, qu'on a mal au ventre, on voit bien qu'il y a une répercussion au niveau du corps de notre état d'esprit. Et c'est pareil, ici on vous dit, attention, tu n'es pas qu'un esprit, tu as un corps, il faut harmoniser les deux, il faut revenir dans ce corps. On a par contre aussi ce personnage qui se love dans les bras du diable pour plusieurs raisons. La première, ça va être par exemple pour vous parler de votre pouvoir personnel. Et le côté négatif du diable, ça va être simplement de ne plus, en fait, de laisser à d'autres votre pouvoir personnel, de vous laisser manipuler par quelqu'un d'autre. Et finalement, vous n'avez plus votre pouvoir personnel. Vous confiez à quelqu'un d'autre votre pouvoir personnel. C'est là qu'est tout le danger de la carte du diable. Cet attachement à quelqu'un d'autre qui pourrait être complètement négatif en fait pour vous si vous n'y prêtez pas attention. Le côté extrêmement positif aussi de la carte du diable, comme c'est quelqu'un qui va nous parler de pulsion, de passion, ça va être une carte qui va être excessivement positive pour toutes les personnes qui sont créatives, qui justement travaille avec ce côté, laisser exprimer ses pulsions. La seule différence entre le côté positif et négatif du diable à ce niveau-là, ça va être la manière dont vous exprimez vos passions, dont vous exprimez vos pulsions. Si vous utilisez justement votre côté passionné, passionnel pour créer des toiles magnifiques, pas forcément magnifiques, peu importe, mais pour créer quelque chose, créer une œuvre d'art ou danser, pourquoi pas, tout ce qui va toucher au domaine artistique, ça va être complètement positif, justement. Et cette carte du diable, elle va vraiment vous accompagner dans ce mouvement-là, elle va vous pousser à aller puiser dans vos réserves, justement, pour vous exprimer. C'est une carte qui vous
qui vous dit, mais exprimez-vous, exprimez votre passion. C'est juste attention à la façon dont vous l'exprimez. Attention à ce que ce soit quelque chose de constructif. Si par exemple vous avez cette carte en position de blocage, peut-être que justement vous n'exprimez pas, vous retenez en vous vos passions, vos pulsions, et ça crée un blocage chez vous. Ou par exemple, vous exprimez de façon pas productive justement ce qui sommeille à l'intérieur de vous, vos émotions, vos passions, etc. Voilà. Donc, il faut vraiment nuancer cette carte du diable. C'est pareil pour la carte de la mort, hein, où on a vu justement que cette fameuse carte de la mort fait très peur. Elle n'est même pas nommée dans le tarot de Marseille. C'est la carte sans nom. Attention. Et pourtant, on ne vous parle pas de la mort. Et puis même, si on vous parlait de la mort fait partie de la vie. On est tous confrontés à la mort. On ne peut pas le mettre de côté. Ça n'aurait plus de sens finalement. Notre parcours n'aurait plus de sens de mettre de côté. Enfin, notre vie n'aurait plus de sens si on mettait de côté cet aspect de mort, de destruction. Et encore qu'ici, ce n'est pas le côté destruction. Le côté destruction, on a plus avec la maison de Dieu, mais on a ce côté de faucher. On a cette idée de purification, de passer à autre chose. Alors, ce n'est pas forcément la façon la plus tranquille, apaisée, mais en attendant, on a aussi besoin de ça pour aller de l'avant. Cette carte de la mort, elle n'est pas placée à la fin du jeu. C'est pas la dernière carte, ça ne vous dit pas que c'est la fin, elle est placée presque au milieu du jeu. Donc c'est pas pour rien aussi. La carte sans nom, la carte de la mort ne vous parle pas de la fin, ne vous parle pas de la mort au sens la grande faucheuse, la fin de vie, mais elle vous parle vraiment de ce côté purification. On a d'ailleurs un sol qui est ici représenté en noir, qui est le sol de la fertilité. On voit d'ailleurs des petites pousses qui commencent à pousser un petit peu à droite, à gauche. Alors oui, vous avez aussi des petites têtes, une couronnée, une qui n'est pas couronnée, mais cela symbolise simplement qu'on est tous égaux face à la mort, qu'on soit roi ou simple paysan, qu'on soit président ou pas, peu importe. On a vraiment cette idée d'être tous égaux face à la mort et d'avoir tous aussi besoin de temps en temps de faucher les choses pour revenir à quelque chose, pour se débarrasser de l'inutile et aller de l'avant. On a la troisième carte qui fait aussi très peur, par exemple la carte de la Maison de Dieu. On voit souvent ça comme une destruction plutôt dans le tarot du Rider. Le tarot de Marseille est plus sympathique, on va dire, dans son approche de la tour. Alors, je ne l'ai pas sorti. Est-ce que je vais la trouver assez rapidement avec le tarot de la magie verte? Je vous la cherche si je la trouve. J'ai 11, 12, 13, et bien sûr, ça va s'arrêter là. Voilà. Alors, ici, on a l'idée en plus de la chevauchée sauvage, mais on a vraiment cette idée de tour qui tombe et qui sombre. Pas facile. Pas facile la carte de la tour dans le rider, un petit peu plus facile dans la carte de la maison de Dieu, et pourtant il faut toujours regarder les symboles. C'est vraiment cette tour et cette couronne qui va nous intéresser, et ça va vraiment être la destruction de l'ego. Ici, on a vraiment la destruction de l'ego qui est mise en avant. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre aspect aussi du tarot, une autre utilisation. Par contre, cette fois-ci, je vais vous prendre un tarot de type Rider et pas un tarot de Marseille. Ça va être l'utilisation du tarot comme un outil pour réaliser en fait des tirages psychologiques, pour aller travailler sur votre psychologie. Alors, j'utilise moi de mon côté le tarot également pour travailler sur, comment dire, en art-thérapie, je l'utilise. J'ai mis quelques exercices justement dans ma formation. À chaque fois qu'on finit de travailler sur une carte des arcanes majeures, je vous donne un petit exercice d'art-thérapie.
Mais là, ce que je voudrais vraiment, vraiment vous montrer, on va utiliser le tarot de la magie verte. Alors, je vous le montre. Ce tarot de la magie verte, c'est celui-ci. Il est très intéressant. Il peut se faire vraiment. C'est un travail qui peut vraiment bien se faire avec le tarot de la magie verte. Le tirage psychologique, ça va être un tirage où on va regarder l'image qui est sur la carte pour voir comment elle fait écho à l'intérieur de nous, pour voir comment cette carte justement nous parle à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas ici d'interprétation, de tirage traditionnel. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Il n'y a que des bonnes réponses parce que c'est quelque chose qui va émerger de vous, de votre inconscient. On va chercher à faire travailler l'inconscient sur l'image. On va faire quelques petits exercices et voilà pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure de prendre un crayon et un papier justement pour pouvoir faire ces petits exercices. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que cette vidéo dure entièrement 1 heure. Si elle ne dure pas 1 heure, justement, c'est pour vous permettre, pardon, de mettre pause sur la vidéo pour faire vos exercices aussi à votre rythme et comme vous le sentez. Je vous invite vraiment à le faire, ça peut être sympa pour vous, ça peut être intéressant. Alors, je vais battre les cartes, peu importe. J'ai des cartes qui tombent, excusez-moi. Hop! Lors d'un tirage psychologique, on va cacher justement les mots qui sont ici, on va cacher justement le texte pour que vous ne prêtiez pas attention à la carte que c'est, mais que vous vous focalisiez sur l'image. Je vais vous faire un exemple, hein, tout simplement. Ça va être bien plus facile de vous expliquer le tirage psychologique avec un exemple. Hop. Alors, voilà, très bien. Alors, j'ai tiré une carte. Je vais vous montrer cette carte. Je vais vous montrer uniquement l'illustration de la carte. Et je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a besoin d'être travaillé chez vous? Vous allez noter sur votre petit papier tout ce qui vous vient en regardant uniquement l'image. Ça va être ça, le travail psychologique, c'est-à-dire c'est votre inconscient qui parle, c'est ce que vous ressentez qui va être intéressant. Je vous montre la carte, n'hésitez pas à faire pause, et donc, qu'avez-vous besoin de travailler en ce moment? Alors, ce que je vais faire, surtout, c'est que je vais éteindre les lumières. Pour ne pas avoir de reflet, pour avoir le moins de reflet possible. Voilà, c'est presque du direct en fait. Alors maintenant, on va espérer que je vais essayer de vous faire le focus, ce serait sympa. Voilà. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé chez vous en ce moment? Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause pour que ce soit plus long. Comment le travailler en ce moment? Comment le travailler? Alors, qu'est-ce que cette carte vous inspire? Qu'est-ce qui vous vient directement quand vous voyez cette carte et que vous devez répondre à cette question? Comment le travailler en ce moment? Pareil, n'hésitez surtout pas à faire pause. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer?
Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire pause, à revenir en arrière. Du coup, ça va être un petit peu le côté positif de vous avoir enregistré cette vidéo à l'avance. C'est que par conséquence, vous pouvez un petit peu travailler à votre rythme. Vous venez d'effectuer peut-être votre premier tirage psychologique. Je vous félicite. Et vous voyez que c'est quelque chose qui va parler à votre inconscient. Et peu importe le nom de la carte, peu importe finalement comment dire, peu importe la carte traditionnelle du tarot que je vous ai montrée, l'important c'était l'image qui était dessus. Et avec le tarot, déjà nous avons 78 cartes, donc ça fait quand même un beau paquet justement d'illustrations sur lesquelles vous pouvez travailler. Beaucoup d'interprétations différentes et possibles à chaque fois. Et comme avec les tarots de type Rider-Waite, justement, vous avez à chaque fois des scènes de vie au lieu d'avoir dans les arcanes. Voilà, au lieu d'avoir ceci dans les arcanes mineures, vous allez avoir cela. Donc ça va être beaucoup plus intéressant justement pour vous de faire du travail de tirage psychologique avec des représentations comme ça de scènes de vie. Ici, je vous ai choisi le tarot de la magie verte. C'est un jeu que je trouve qui s'y prête très bien, qui est très sympa justement à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est top. Je vous invite toujours par contre à ne pas regarder le nom, l'intitulé de la carte, parce que si vous connaissez bien le tarot, vous allez forcément être influencé comment dire, par la signification traditionnelle. Voilà. Donc il y aura toujours un petit coin dans votre tête qui dit, oh mais oui, mais ça c'est le pendu. Et du coup, vous allez commencer à interpréter les cartes en fonction de vos connaissances plutôt qu'en fonction de votre inconscient. Voilà, donc ça, c'est très intéressant de faire ce travail-là avec le tarot. Vraiment, ça peut être chouette. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit dans le récapitulatif de tout ce que je voulais vous expliquer par rapport au tarot, justement. Je voulais vous montrer comment vous pouvez travailler le tarot de façon différente. Je voulais vous parler un petit peu des archétypes. Donc, je crois que je l'ai abordé, mais de façon assez succincte, parce que j'en parle beaucoup aussi sur ma chaîne. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à changer un petit peu votre regard sur le tarot, de le voir comme un outil vraiment de développement personnel. Il y a beaucoup, beaucoup de contemporains, justement, qui abordent le tarot maintenant de façon comme un outil de développement personnel et plus du tout comme un outil de divination. Les deux restent toujours faisables, mais c'est à vous de choisir aussi la façon dont vous voulez travailler avec le tarot. Le tarot est un outil, ce n'est qu'un outil. Et la façon dont vous allez vous l'approprier ne dépend justement que de vous. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez travailler avec, comment vous souhaitez travailler avec le tarot. Et ce sera toujours la façon juste, ce sera toujours la bonne façon de le faire parce que ce sera votre façon, votre jeu, votre façon de travailler, votre regard sur les cartes. Et voilà, je pense que c'est très très important de revenir à ce que l'on ressent, justement, de mettre de côté ses idées fausses et de ne pas hésiter des fois aussi à détourner. Peut-être un jeu, comme je viens de le faire avec le tarot de la magie verte, qui n'est pas du tout fait, enfin, qui n'est traditionnellement pas fait pour faire du tirage psychologique, et qui pourtant s'y prête absolument bien. Tout comme quand j'aime bien utiliser le Dixit sur ma chaîne et que je vous fais des tirages psychologiques avec, ou le tirage des énergies avec, c'était un jeu de société à la base, pas du tout, du tout, un jeu de ni divination, ni de développement personnel. Le plus important, c'est la façon dont vous allez travailler avec votre outil. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné des clés pour avancer avec le tarot. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous faire cette vidéo. J'aurais énormément adoré vous le faire en direct, bien sûr, pour pouvoir répondre à vos questions. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de partager ce moment-là, de faire partie de ce taroton. J'en profite pour faire un énorme bisou à Candice et à Wassima et de les remercier du coup pour m'avoir invité. Alors, je vous invite à vous rendre à 10 h sur la chaîne d'Ange de Gaïa qui va vous parler du masculin sacré. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo, je vous remets tous les liens.
tous les liens pour suivre les heures de passage du Taroton. Et je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée de Taroton. Voilà, et de très belles fêtes à venir. Bisous à tous!